Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titre de ce mardi 21 juin 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une à la fin du statut de réfugié pour les Ivoiriens, la reconnaissance internationale des efforts de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part hier à la célébration de la Journée internationale des réfugiés. En croit le vice-président, c'est plus de 96% des réfugiés ivoiriens qui auraient gagné le pays. Découvrez les détails dans le journal Fraternité Matin. Situation sociopolitique. Le régime dans de sales draps, peut-on lire dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Ce qui trouble le sommet du RHDP. Pourquoi Soro prévient le RHDP plongé dans les sales draps, énoncé dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques. Pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Entre-temps, le journal Le Nouveau Réveil parle de la cherté de la vie. Cet après-midi, au Parlement, les députés du PDCI-RDA convoquent le ministre du Commerce. Découvrez les raisons de cette convocation dans le journal Le Nouveau Réveil. Le titre pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et excellente journée à toutes et à tous.